Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Call of the Sea live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Chapitre 6, par le gouffre. La gouffre. Je comprends tout maintenant. Ce lieu a beau sembler menaçant, il ne rien. M'arrivera rien de mal ici. Et les mêmes, ces créatures marines, ils ne font tous se défendre tel un animal sauvage se retrouvant face à une menace inconnue. C'est comme cela qu'ils perçoivent l'expédition comme une menace. Alors que moi, en revanche, je ne représentais pas une menace. Et pour eux, j'étais tout sauf un inconnu. Ils semblent me reconnaître comme si j'étais des leurs. Tout se semble aussi 10 ans maintenant, comme si j'étais arrivé sur cette plage de sable blanc à plusieurs milliers d'années. La pleine lune, ce n'est pas possible. L'année dernière, c'était la nouvelle lune, non? Mais c'est possible que j'ai perdu à ce point la notion du temps? Peut-être cet endroit n'est-il pas soumis aux lois de physique. C'est la seule explication qui me vient à l'esprit pour cette nuit irréelle. J'ai du mal à croire que ce tour soit réel. Qui sait, peut-être que ce n'allait pas. Que je vais ouvrir les yeux pour me rendre compte que je suis toujours chez nous, à Eaglewood, et tout est redevenu comme avant. Ma vie ordinaire avec Harry, la routine quotidienne. Ma maladie, elle aussi sera de nouveau là. Et comment chasser cette étrange sensation, ce sentiment que je n'ai plus jamais ma place là-bas. Par là-bas, je ne veux pas dire à Eaglewood de Boston ou même à Newport, je veux dire. Comment est-il possible que les événements mystérieux des 2 derniers jours me semblent plus sensés que la vie que je mène depuis des années? Voilà, le sanctuaire. So is this where you went, Harry? C'est donc ici que tu es allé, Harry? C'est la dernière étape. Il y a un camp ici. Another camp. Non, quand même, s'il s'agit juste de quelques affaires et papiers. My dear old pal. Ma chère et tendre Nora, je n'aurais jamais dû faire confiance à Cass. Je croyais qu'elle espérait se soigner, elle aussi, elle est clairement folle et totalement obsédée par cet endroit. Je ne peux pas compter sur elle pour m'aider à franchir l'ultime obstacle. Cette porte, je sais comment l'ouvrir, mais je ne dois faire pour y arriver. Mélanger les mains noires à mon sang. Puis-je songer? C'est le seul moyen pour que nous soyons ensemble, il faut que cela fonctionne. Ça ne peut être une coïncidence. Là, tu l'avais fait pour nous deux. N'est-ce pas, Nora? Si seulement tu étais là pour... Ensemble. Je dois y réfléchir, mais je n'y arrive pas. Demain, laisse ça pour demain. Non. Leave it for tomorrow, damn it. Stop writing. Ça laisse d'écrire. Qu'est-ce que tu racontes, Harry? N'as-tu pas vu l'effet du démon noir qui a fait à notre médecin? As-tu donc perdu l'esprit? Bibliothèque, qu'est-ce que tu racontes, Harry? Un rêve étrange aujourd'hui. Je me suis à l'intérieur d'une immense bibliothèque et je comptais.
the blood of these creatures. La créature n'était pas du genre. Some sort of catalyst. Heavens. Mon Dieu, cette dague, that's exactly like the one I have. Ah, celle que je possède. Une hôtel du sang séché et du humain, cette dague. Avec laquelle. Qui est celui depuis. Harry, what is this? Qu'est-ce que c'est? Like ça? The ramblings of a madman. Agation. Alors, je dois le faire. Je me transforme. Oh, chanceux. Ça aurait été moins mon style de me prendre quelque part qu'il faut pas. Alors je dois mettre la main à l'intérieur, c'est ça? Attends. Harry asleep in his tent. Dans sa tente, j'ai rarement vu une photo aussi dérangeante. Oh my, she sounds completely out of her mind. Elle a tout demandé, j'ai vu venir des tentes. Harry, la seule chose qui l'attend, c'est la mort. Give it a try. Ouch! Oh! Ah! What's that? What was that? Looks like a tattoo, but it isn't. Tatouage, mais ce n'est pas ça. Those are my spots. They've moved. Bougez. Cette mural semble représenter un rituel de l'aide de sang de cette. That dagger. Black ooze on a petri dish. Une noir dans une petite boîte. Black ooze on a petri dish. Des traces de l'humain noir sur cette fringue. What the hell were you thinking? J'ai pris. These patterns look too familiar. Je connais que trop bien. C'est. Oh, I really hope this works. J'espère que ça va marcher. Fonctionné. Je vais regarder tout ça. Et... If he
he's behind that door. I wonder what Harry will find. Je me demande dans quel état il est. Il reste t d'un homme que j'aime et la t tombe en partie par celui que j'ai perdu. Raison de ce lieu. Different doors with different symbols. Ça va être différent. Those stone statues. Les statues en pierre sont pivotées grâce à cet interrupteur. Pour des créatures, un animal de compagnie, heureusement. I wonder what this means. Je pense que cela peut bien vouloir dire. Un dragon, gargouillis, animaux. All these papers are riddled with incoherent doodles. Constellations and stars. Ces étoiles, des gens semblaient des dieux venus d'un autre monde. I wonder what this means. Je pense que cela peut bien vouloir dire. It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. Également des canaux pour un peu bien servir. Where is this door leading? Où est-ce que porte est menée? Shining constellation. Ça brillante. I better draw it. De dessiner. Pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Circular stones with strange carved symbols. These icons on the wheel are the same as the constellations I have on my hand. Une. Ok, il y avait une. Pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Il y a une étoile, regarde les étoiles peut-être. Look at the stars, maybe. An eye and a star. Il y a une étoile, regarde. Look at the stars, maybe. The stars are aligned, forming a constellation that I don't recognize. Pas, mais ce n'est pas le ciel qu'on voit depuis la Terre. That is not the same sky you can see from Earth. And if that's not the Earth's sky, pas le ciel terrestre. Where am I now?
Il en manque là. Bonne manière de déplacer. Étrange structure, avec gorge de recoins improbables sans compter les escaliers qui ne semblent jamais avoir de fin. Maybe it only hurts the first time. Mais allez. Ah, the second also hurts. Arrivé sur l'île, je me suis senti comme... I felt like I was trespassing. Maintenant, now, I feel like this is where I belong. Pas d'être enfâché. This place is like a labyrinth. Ça ressemble à un labyrinthe. It was submerged in black ichor. Il était plongé dans l'ichor noir. Seems to be on the brink. Elle a tout près de sombrer dans la démence. Je ne ressens pas la moindre confusion. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir l'esprit plus affûté que jamais. Oh, come on. One more time. One more time. Ow, that hurt. Again.
parking là-bas. Lâcher les grosses boules. Et voilà, hey Darkly, comment ça va? Arrive justement à temps.
Une autre porte verte. Another one of those gates. Tour de ces portails, on dirait qu'il va falloir que je descende sous l'eau. Non. Ok, oui, une bonne fin de semaine. La fin de semaine commence juste, cependant. Oh, tiens, le dernier. Again? Seriously? La dernière, c'est la dernière, allez. Sur Xbox encore? T'as jamais joué. Que je refasse ça. J'ai un point de repère en premier. C'est lui en haut à gauche, tu vas faire. T'as jamais joué au Xbox ou t'as jamais joué au jeu? Et là, petit. Je suis sur la droite. C'est gros. Ah, je parlais de la Xbox, si tu joues encore à la Xbox. Bon, Géo. J'en sais en plusieurs. En plusieurs.
Ok, on va commencer peut-être d'un autre. Petit, gros. De que quoi, je vais essayer de visualiser parce que. Une petite, une grosse, une petite. Un vrai casse-tête.
Il va pas là. Ok, ça commence à être là. Oh. Petit. Bon, je vais peut-être l'avoir. Oui, toutes les portes sont ouvertes, mais où se trouve ta constellation dont j'ai besoin pour ouvrir la salle de trône? Des silhouettes noires et blanches. Tous les chiens, tous les dragons, ou les quoi que vous soyez. Oui.
Ça m'aide pas beaucoup pour l'instant. Peut-être. Les champions du monde. Puis il n'est pas à bonne place là-bas. Faut que je retourne un peu en arrière pour aller voir. Toi tu tournes vers moi et toi tu tournes vers ici. Selon moi, ça devrait être bon. Ah! Faites les cons. Bon, là je vais l'avoir. Une autre empreinte demain.
Come on. Dernière, j'espère. One more time. Ow, that hurts. Ouch. Again. I think I can feel the agony of the slaves, their suffering. C'est la douleur des esclaves, leur souffrance, les effets de la transformation. It's horrifying. Salut, monsieur Rob DC, comment ça va? Oh, petite, la prochaine va être oui, petite pause. C'est ça que je l'ai situé dans ma tête. Concentrer que ici. Pause petite. Côté c'est. Yep. Ici ils sont supposés être rejoints ensemble.
Ouais, je les allume. Juste 4 roues. Au début, je savais quoi suivre, mais là, je suis plus sûr qu'est-ce que je dois suivre. Je vais faire le symbole du milieu maintenant. Ah, dans le ciel. Tire. An eye and a star. Look at the stars, maybe. Bon. Prendre une photo, sinon ça va être trop compliqué. Faut qu'elle la prenne en dessin. Bon. Là, je le vois, moi, là. Gros, petit, gros. Gros, petit, gros, il y en a juste un là. On va effacer les autres. Oh, petit gros. Mec. Là, ici, j'ai. Oh, petit gros. Voyons, Chris. Oh, c'est pas ça que j'ai. Oh, petit gros, tourne à gauche, tourne à droite. Comme ça. Bon, ça c'est bon. Bon. C'est ça. Bon. Oh, petit gros, tac, tac. Là, le 6, ça devient un gros et un petit. Ça, c'est correct. Bon. Rendu ici. Deux là, là je suis posé de monter ici avec un gros. Le gros qui est là, il est supposé être allumé. Le gros qui est là, le petit qui est là avec lui qui est là.
pitcher un Z là-dedans, peut-être. Non, pas toi. Toi. Gros, 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 gros. Le gros puis le petit. Après le gros puis le petit, ça, là. Bon. Le petit, là. Non, c'est pas le même, c'est supposé. Peut-être. Je l'ai mêlé, là. Je pense que je suis mêlé. Bon. Gros petit, gros petit. À gauche, c'est un petit, un gros, un petit. Petit, un gros, un petit. C'est correct. Et ça, là, ça tourne à droite, un petit, puis un petit. À droite, un petit, puis un petit. Ça, c'est un gros. Ça marche pas celui-là. Celui-là. Mêlé. Ok, là. Bon. Peut-être là. Le gars est changé. Je vais enlever ça une minute. Là. Sur mon téléphone, j'ai pris la photo d'un zèbre, je le garde d'un zèbre à chaque fois. Je vais mettre devant, là. Ah. Gros, petit, gros. Là, faudrait que j'appuie. Là, puis je mettrais. Fais ça de même. J'ai juste d'allumer. Faut désallumer celle-là ou quoi? C'est plus comme ça. Hein.
La porte du sanctuaire est ouverte. Il est temps de voir ce qui m'attend à l'intérieur. Le retour du visage. Il y a quelque chose écrit par terre à l'aide de sang Falkov. Ne serait pas le mot étrange que j'entends dans mes rêves. Quel miroir étrange est-il fait du corps noir? J'ai presque l'impression que... Tu me parles. Oh, heavens. Seigneur. Mon Dieu. Rien ne se passe ici ne semble respecter les lois de base de la physique. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a une certaine harmonie. Qui tient sa place comme les engrenages d'une horloge ou d'une boîte à musique. Harry, c'est toi? Non, dis-moi que c'est pas toi, Harry, tu n'es quand même pas pu, non, c'est pas possible. Non, c'est pas toi, pourquoi tu fais ça? Oh mon Dieu, Harry Potter. Au bout du compte, tu as donc fini par accomplir le rituel, mais pourquoi je ne comprends pas, tu savais pourtant, tu savais ce que cela n'avait aucun sens. Pourquoi? Tu savais pertinemment que le rituel ne marcherait plus jamais. C'est pour cela que tu n'es même pas assis sur le trône. Tu n'as pas accompli le rituel, n'est-ce pas, Harry? Mais tu voulais que je pense que tu l'avais fait. Tu n'as même pas laissé un leurre afin de semer le doute. Mais pourquoi? Terminer le chapitre 6. Que s'est-il vraiment passé? Oh mon Dieu! La seule personne qui était avec toi sur la place du sanctuaire, c'était Cassandra. Alors, si ce n'est pas toi qui es mort, c'est forcément elle. La psychopathe. Cassandra la folle. Elle a utilisé la drague pour ouvrir le portail et accomplir le rituel. Tu as essayé de l'arrêter, mais il était trop tard. Elle a tiré dessus. Avec ton propre pistolet, elle t'a laissé pour mort, n'est-ce pas, Harry? Un Harry Potter! Cassandra était ambitieuse et prête à tout pour découvrir le secret de cette île, laquelle n'a fait danser la soif. You
savais pas si le rituel fonctionnerait. Ce qui est arrivé à Cassandra a fini par se dissiper tes doutes. À ce moment-là, tu as compris. Avec certitude que le rituel n'était pas bon pour rien. Pour personne. Excepté pour moi. Le rituel était uniquement pour des gens comme moi, mais tu as refusé de le croire jusqu'à ce que l'île te parle directement, n'est-ce pas? Ça, c'est notre fille. Haha, Folgarfen. She is our daughter. That's when you finally understood. À ce moment-là que tu as compris, tu as réalisé qu'il m'attendait, que je ne devais pas ici pour accomplir le rituel. Une mort lente et douloureuse si je m'attendais. Je ne venais pas. Il fallait venir. Il fallait venir, mon ami. Il fallait venir. Fallait venir. Alors tu m'as fait croire que tu étais mort en déposant des lunettes à côté du cadavre de Cassandra, ces lunettes que tu n'ôtes jamais. Mais pourquoi faire croire d'être mort? Tu as envoyé le collier de Tahiti, la photo, la clé, la dague et un autre de tes chasses au trésor, oh Harry. Et comme tu t'en doutais, j'ai mangé à l'hameçon, tu m'as guidé jusqu'à cette île. C'est la même où que quatre membres de ton expédition avaient péri, où tu avais failli perdre la vie et la raison. Mais pourquoi m'avoir trompé à ce point, Harry? Tu m'avais juré de ne jamais me mentir. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu fait cela, Harry? Pourquoi es-tu comme ton beau? Parce que tu savais que je n'accepterais jamais mon sort. Si ça là m'obligeait à te quitter, n'est-ce pas, mon amour? Pas même si c'est le fait de rester à tes côtés me condamnait à mourir. Alors le seul moyen que tu as trouvé pour m'inciter à quitter a été de me faire croire que tu venais ici. Et tu as choisi une existence solitaire pour que je puisse être celle que je suis vraiment. C'est pour cette raison que tu as cherché à m'abuser, mais je te connais trop bien, Harry. Tout s'est passé ensemble, tous ces moments d'amour, de bonheur, de compréhension, d'amitié, j'ai connu une existence merveilleuse à tes côtés. Je sais que tu as essayé, mais je ne peux pas te laisser prendre cette décision pour moi, Harry. Toi, j'accepte mon destin et que j'ai toujours été ce qui m'obligera à t'abandonner. Toi, je rejette mon héritage. Et je rentre à la maison afin que nous puissions être ensemble pendant le temps. La décision m'appartient. J'accepte votre sort et abandonne Harry! Nous avons eu une belle vie ensemble, mais cette existence n'est plus vraiment la mienne, n'est-ce pas, Harry? Sauf que cette vie n'est plus vraiment la mienne. J'ai fini par découvrir qui je suis vraiment. Je ne peux plus. De raconter. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter qui je suis vraiment et de te laisser derrière. Je rentre chez moi. Quelle merveilleuse mélodie. Je ne crois pas en avoir entendu plus que quelques notes jusqu'à aujourd'hui. Until now. La la la. Prêt à faire des top 1? La 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 la. Pendant des années, j'ai cru que j'étais malade, mais la vérité, c'est que le mal est en moi. C'était celui du pays. Le mal du pays. Ma santé est précaire, les douleurs permanentes, tout cela était causé par mon éloignement de ces endroits. De cet endroit. Oh yeah. Tout me semble si lointain maintenant, je ressens plus aucune douleur, il n'y a plus aucune trace de maladie, il n'y a plus rien d'autre que cet endroit. Cette mer infinie de calme et de paix est de la seule place qui me reste pour moi. Plus rien n'a d'importance. Et enfin rejoint les milliers d'esprits reliés au limon noir. Et parle lui au dieu ancien. Hakuna Matata, adieu, Harry.
get fine at night, man. Go find gold. I got my fucking coma. No. No get fine, what now? No Bowen, Quebec, Nora. You just check out my guy Wagner. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. One. Oui, je suis prêt. Two. Don't forget the harmony. One, two, three. Two, three, four. All my life is empty since I went away. Skies don't seem to be so clear. So clear. May some angel sentry guard you while I stray, and fate be kind to join us some sweet you. Day. Oh, how I miss you, dear old pal of mine. Each night Je t'aime, Laura. Moi aussi, je t'aime, Harry. Even today, aujourd'hui encore, tant d'années plus tard, je me demande encore si j'ai fait le bon choix. I lied to you.
J'ai tant menti pour la première et la dernière fois, et même si c'était pour le délivrer de la souffrance et de la mort, j'ai dû trahir ta confiance. Mais j'ai payé le prix fort pour que ma duplicité n'aura. Le destin m'a puni en m'infligeant une existence triste et interminable, tout entière tournée vers mon travail. Car c'est tout ce qui me reste désormais, ma chère et tendre Nora. En archéologie maintenant, Harrison est. Tout ce qui me reste, vous avez terminé le jeu. C'était tout pour le jeu Call of the Sea live sur la chaîne Caribou Canadien. Oh yeah!